Bien, tout président Jovenel Moïse, nous connaissons que, en absolu, nous, dans le nord-ouest, tout, nous connaissons que, pour célébrer, d'abord, nous connaissons que c'était découverte d'Haïti, c'était vendredi, c'était samedi, c'était le 5, bien, tout fait, Immaculée Conception, tout, bien, tout fait, Mall Saint-Nicolas, ensuite, après, fait Saint-Nicolas, bien, tout fait, fait, Immaculée Conception, qui c'est le 8, ça, c'est pour Patron Port de Paix. Le président Jovenel Moïse, tout est gain, dans la zone, non? En fait, quoi qu'il y ait toujours dans la zone, toujours. Et c'était occasion pour te lancer un centre d'opération, offrir équipement, by responsable, et d'y annoncer une nouvelle pour certainement, monde port de paix, et dans la zone alentour, tout, bien qu'on entendait que le carnaval national là, c'est là, le carnaval là, le fait. Donc, au cas où on crée juste ce qui s'est gagné, parce que le carnaval là, est venu dans la zone, et très probablement, il peut être cob. Il peut être cob, et le monde qui, le carnaval, il est venu, il veut dépenser cob. D'abord, dans l'infrastructure, d'abord, on a dormi. Faut tout le monde côté pour dormir. Donc, certainement, il y a payé un logement, hôtel. Faut manger. Donc, ça veut dire qu'il y a un paquet d'activités qui peuvent être faites dans mon carnaval là. Donc, le carnaval, ça a commencé, le carnaval a fait exactement 14, 15 et 16 février. Et nous connaissons, de l'autre côté, il y a une opposition qui dit que le mandat président Jovenel Moïse a fini le 7 février. Et le président Jovenel Moïse dit lui-même, c'est lui qui a organisé le carnaval là, et il a annoncé dans un grand pampan, un grand pompe. Donc c'était gros applaudissement, et puis il a demandé au ministère de la République pour le dégager, fait travail dans la ville là pour que le carnaval là passe vers ces 10 chariots, et pas dans le ciel, il a passé. Ce n'est pas sous la mer à passer, c'est dans le parcours là, qu'a fait là, et bien, il souhaitait que et tout travail d'aménagement capable pas être fini, mais au moins, dans la zone où le canal là pour le fait là, il faut que gagne un aménagement qui pour faire là, pour moyen permettre que, et, monde qui parle bambocher, on en fait là, là, pour que capable jouer le carnaval là, pour que bande jazz que, qui est capable de participer au tout, pour venir. Donc, c'est gros nouvelle ça qui gagne tout. Parallèlement avec visite ça que le président Jovenel Moïse fait tout, gagne tout, et ça lui annonce tout, et il annonce que gagne problème courant tout, et lui promet que avant carnaval ou bien pendant carnaval là, il va avoir courant dans la zone, et dans toute zone net, 24 sur 24. Et donc c'est problème ça, c'est ça qui promet ça, qui habille promesse que le président Jovenel Moïse fait depuis dans la campagne électorale, il était promet pour pays à te électrifier. Alors, c'est tout pays à pour te électrifier, pays à 24 sur 24. Bon. Que le mandat président a fini le 7 février 2021 ou bien 7 février 2022. Pour le président et supporter, le mandat a fini le 7 février 2022. Pour opposition et consort, le mandat président a fini le 7 février 2021. L'opposition a paré un plan déjà. Et rien à préparer un plan et un plan pour un plan de remplacement, c'est Ndakadi, que de pas mettre un gouvernement, que de pas mettre un gouvernement de salut public, souverain comme ça, ou bien que de pas mettre une sorte de grand gouvernement de transition et conseil de bail, rien pour faire avant. Président Jovenel Moïse, beaucoup de parents, tout supporter par lui, lui-même, il y a un plan par tout. Et lui-même, il déclarait que l'année 2021, c'est pas une année électorale. Tellement vrai, le conseil électoral a déjà rencontré avec l'Office national d'identification, côté aussi on sort de partenariat, et même avec le ministère de la Justice, on sort de partenariat pour que des dossiers d'identification soutiennent dans une pour aller dans l'autre. Donc, c'est, et puis, gagner tout conseil consultatif là, ou bien conseil qui a préparé, ou bien commission qui a préparé et constitution, ou bien qui a réécrit leur constitution, eh bien, ils promettent pour remettre résultat travail à partir de mars 2021, ou bien peut-être avant mars si possible. Mais toi, après le gain, ça nous donne une sorte de référendum sous constitution pour le peuple a dit si oui ou non, lit d'accord avec document ça. Et une fois que d'accord, et c'est ça qui va le déclencher sous sa les élections. D'après président Jovenel Moïse et consort. Opposition n'y parle de temps de barra parce qu'il dit ni conseil électoral là, ni pas citation, ni pas constitutionnel, ni mal formé. Et il dit président pas gain droit pour lui à préparer constitution. Donc ça dépend de qui secteur attendait pour la préparer constitution. Il n'y a pas constitution, ça qu'il a pas mal droit ça pour c'est lui-même pour la préparer constitution. Donc son dossier que nous tout avons suivi avec en pile précaution pour nous qui ça qui pourrait le passer.
dans l'année 2021. Et nous, quand nous sommes à côté, la communauté internationale a fait sous beau partout, a augmenté la pression tout pour pouvoir dégager le fait élection pour capable de gagner un parlement qui pour contrecarrer ou bien contrebalancer ou bien pour balancer le pouvoir exécutif. Je rappelle que le président Jovenel Moïse, depuis après 13 janvier 2020, eh bien, c'est décret que la prend. Donc, la communauté nationale, dans ce sens, a dit à la nécessité pour gagner un parlement. Et alors, c'est-à-dire qu'il dit que le pays a condition pas réunie pour que tu aies gagné l'élection. Ça sont l'autre branche dans l'international même, qui dit ça tout, condition pas réunie. Pour conditions souterraines en termes de sécurité, mais conditions pas réunies pour gagner l'élection. Non, pour l'élection déroulée dans l'année 2020. Alors que le président Jovenel Moïse dit oui, il y a une élection. Et que l'IP était fonds disponibles pour que garantie sécurité et l'élection soit déroulée. Et que l'année électorale, année 2021, décrétée comme année électorale. Et que le 7 février 2022, d'après le président, eh bien, lui-même l'a passé ma être là, by un président qui a sorti dans l'élection qui a déroulée pendant l'année 2021. Alors, on a parlé d'élection législative, élection locale, donc pour les magistrats, etc. Ensuite, élection présidentielle là, qui était probablement à dérouler non, peut-être en fin année 2021, si garder le parcours que et président Bay pour le mettre pouvoir 7 février 2022. Opposition lui-même dit à partir même avant ou bien 7 février, et bien, président Jovenel Moïse sera l'histoire ou bien encore le passé. Donc ça veut dire qui ça parle gain 7 février 2021, tout le monde était tendre. Entre-temps, pas oublier qu'un carnaval cap déroulé le 14, qui est-ce qui a fait carnaval là? Président Jovenel Moïse ou bien monde ou bien encore entité ou bien encore groupe et opposition qui peut mettre en place pour diriger PIA en attendant que eux-mêmes organisent l'élection si ça arrive fait. Ou bien c'est le président Jovenel qui a continué. Donc son dossier qui est vraiment sensible. Et tout mon objet croisé d'être pour ça qui va le passer. Mais ce n'est pas la première fois. L'opposition a toujours dit que l'année dernière, il a dit que pas le soupe dans le palais national, il n'y a pas de bail qui a parlé. Et bon, ça va être une fête, etc. Donc tout le monde a toujours dit, on nous garde pour nous. On pourrait ça qui va le passer quand même. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a abgué élection. C'est ça que le pouvoir actuellement en place, c'est ça que le pouvoir abgué élection. Donc, nous avons le temps pour nous faire le 7 février et que le pays a tout divisé sous date ça. 7 février 2021 ou 7 février 2022, ça dépend de qui est sous-tendé, à qui on nous parle et qui est-ce qu'on voulait supporter dans le processus ça pour avancer le pays à lui-même. Voilà, c'est. Et puis, il y a le ministre des Affaires étrangères là, et docteur Claude Joseph, qui était en République dominicaine, ils font bon temps. En République dominicaine, donc, il y a une opération et nettoyage qu'il a fait dans l'administration. Les gens qui étaient mêlés dans la corruption, il y a des gens qui sont en prison et pour corruption. Et alors, les gens qui sont en prison pour corruption, parmi eux, il y a deux proches. Et pas mes proches, mais famille, frère et soeur, et ancien président Danilo Medina, qui est en prison, et pour affaire de corruption même, et président Abinadel dit qu'il continue à faire opération ça, et qu'il y a marché sur le monde toujours, et de temps en temps, on entend des gens qui sont en monde qui la corruption, ou bien qui pas justifier ces deux bagailles, et c'est ça lié qu'on y a là. Alors, le ministre des Affaires étrangères là, qui était une longue tournée en République dominicaine, eh bien, nouvelle loi rapporte qu'elle était même rencontrée avec, non seulement rencontrée, elle signe un accord avec le ministre des Affaires étrangères, côté il y aurait mis sous pied commission et binationale, là, en Haïti, République dominicaine, commission, il y aurait campé commission ça encore. Mais tout, l'État, semblait qu'il y ait une rencontre avec le président dominicain et Luis Abinadel. Et même, nouvelle loi pas dit qu'il s'est discuté dans la rencontre ça qui était gagné en tout. Et puis, frontière l'ouvre. Une grande frontière a été fermée depuis quelques temps. Et surtout, côté haïtien, oui, côté de l'unité fermée, mais qu'on y a lié l'ouvre et que transport passager, qui haïtien capable d'aller visiter la République dominicaine, tout comme et dominicain capable de visiter Haïti. Mais il y a un appel qui t'a lancé tout pour que dominicain ait diminué sous prix visa.
touriste là il dit qui était extrêmement cher que en pile appel t'a lancé pour que tu réduis sous prix visa dominicain ça et visa dominicain pour te permettre pays de pays faire continuer faire échanger puis marché binational là tout nous appelons qui existe sous deux zones frontières par exemple dans zone et Imani avec Malpass et frontière qui c'est tout dans zone et Dahabon avec Waname. Donc deux marchés ça c'est des plus grands marchés qui sont censés dans zone là donc c'est là que Haïtien a lâché, mais il y a plus Haïtien qui a lâché que Dominicain qui vient acheter dans les Haïtien. Ou bien, est-ce qu'il y a des restrictions, nous ne connaissons pas, mais son marché qui fait bien bonheur tous les dépassés, en particulier Dominicain, peut-être capable de plus avantages dans le marché binational. Ça. Aux États-Unis, nous sommes censés presque, l'île doit être presque finie net, qu'on y a, nous sommes censés traverser notre cap. Et c'était toujours un petit difféboulé toujours entre président Donald Trump avec en fait est-ce que le président Donald Trump avec qui monde nous pas connaît parce que président Elias Joe Biden continue à faire travail parle il continue à préparer pour le prêter serment 20 janvier qui va venir là mais président Donald Trump continue à contester et résultat malgré que toute défaite qui prend toute devant tout tribunal qui allait et mais devant tout tribunal ça yo et il a toujours rejeté tentative équipe légale et président fait pour ta renverser résultat et gain même côté que tout président Donald Trump par exemple dans état Georgie même mandé gouverneur état pour lui mander et parlement état pour yo renverser résultat et puis faire ça une sorte de vérification signature et bulletin qui est venu par la poste. Mais jusqu'à présent, bon, et c'est ça, c'est la nuit, mais État-Georgie, tout, c'est lui-même qui a un dernier mot là, parce qu'il y a un deuxième tour d'élection qui a fait entre deux candidats démocrates avec deux candidats républicains. Et c'est un résultat d'élection qui est déterminant pour qu'on ait qui est dans deux partis politiques, est-ce que c'est le parti républicain ou le parti démocrate là, qui pourra le contrôler et Sénat pendant deux prochaines années. Donc, on a une élection déroulée pratiquement aux États-Unis chaque deux ans. Donc pendant deux prochaines années qu'on va l'élection mi-mandat, eh bien il pourra le connaître. Est-ce que c'est pour qu'on y a là et si on sort l'abdéo le 5 janvier, est-ce que les républicains ont remporté deux postes sénatoriaux là qui en juin? Si oui, ils ont remporté, mais donc il y a une majorité dans le Sénat dans ce cas-là. Et si les démocrates ont remporté deux sièges là tout, eh bien les démocrates ont certainement pas la majorité et certainement bah la capable plus facile pour eux-mêmes. Pour passer ou bien encore adopter calendrier ou exécuter calendrier législatif que président élu et Joe Biden ensemble avec vice-président élu Kamala Harris te promettent pendant la campagne électorale. Donc si ça va fait, nous pas connaître qui Jean bataille capable continuer puis Dieu parce que ça et candidat président élu Joe Biden il obligé de négocier tout le temps avec la majorité républicaine pour le dégager en majorité lui-même pour essayer dans quelle mesure qu'il va passer programme ou bien encore promesse qu'il a fait il était fait pendant la campagne électorale. C'est là nous y est tout qu'on y a là, c'est dans position c'est là où était quitté nous, mais ça nous quitté nous qu'on y a là et nous retourner nous jeune ces élections ça n'a pas de que et électeur qui va commencer à voter à partir du 14 décembre, ça nous les vote en élection anticipée, c'est-à-dire que l'électeur doit commencer à voter même et volontairement, il y a moins de 100 cas ouverts, mais il est capable de voter pour candidat qui fait au plaisir, pour candidat à table ou représenter dans le Sénat pendant en fait, les 6 prochaines années, parce que le sénateur il a un mandat 6 ans. En Haïti, bon, nouvelle qui tombe, nous connaissons que c'est toujours avec grande tristesse et disparition, bien en mort. Éminent professeur, les défenseurs des droits humains, et M. Diragoug, qui est ancien bâtonnier, ancien président bâtonnier, l'ordre d'avocat, et bien qui mourut vendredi passé, c'est une nouvelle qui était tombée, tant qu'on l'a fait, qui est tombée dans l'eau chaude. Et tout le monde est saisi, parce que, en plus, on connaît que l'état santé. Et mais dire que pas trop bas mais personne pas attendre à ce que l'état mourit et voilà que le mourit exact les mourir vendredi nouvelle annoncée c'est tout côté qui a voué sympathie par famille et ben même comme organisation des droits humains tout le monde qui te connaît mais dire comme un monde qui t'a défendre droit monde qui est à leur intégrité et qui mourit avec intégrité et des commentaires qui se dit qu'il y a que soit horizon politique là
qui des commentaires qui vraiment aller en faveur et qui fait tout le monde qui voit ces parties bien féminines qui dit que le pays a perdu encore une fois encore perdu une grosse tête perdu un gros autre un gros membre qui est capable que surtout dans la lutte contre l'abus de la jeunesse c'était a perdu un gros monde. Elle est contre position que le professeur Gérard Goup te comprend et sous régime Duvalier. Elle a son monde qui passait et sous calculé date de naissance qui fait en 1925. Donc, calculé qui quantité courant que l'y passait depuis l'occupation américaine, par exemple, que le fait pendant l'occupation américaine, traversé l'UE Deuxième Guerre mondiale, l'UE gouvernement, les gouvernements, par exemple, Haïti, tu connais quatre gouvernements pendant une année, l'UE tout régime Duvalier à tout. Que le vive avec le régime ça, que le laisser faire des tentatives et faire poser des jalons même pendant une période là aussi dure que ça a été, il fait quand même il tomber dans la période l'après Duvalier et tomber dans le régime Lavalas, traverser net jusqu'à ce que passe le cap de l'Angleterre, il perdit Madame Ni en 2014 et il perdit non seulement Madame Ni, il vient perdre tout, t'es on l'a incident passé, il perdit bibliothèque qui sont richesses pour lui-même. Et elle a parlé, elle n'a pas la parole, elle était pour un côté, elle a dit qu'elle a gagné deux bagages perdus. C'était Madame Ni avec bibliothèque qui a été perdu, qui était censé pour lui deux bagages qui sont censés comprendre dans la vie. Alors, le gouvernement, voyez, le Premier ministre, vous voyez, sympathie, by famille, tout comme tout le président Jovenel Moïse, tout le fond, tweet, on met ça sur les réseaux sociaux, Twitter, pour le voir sympathie, tout by famille, avec l'autre monde que disparition, ça, je suis censé concerner, mais les concerner nation, en tout. Donc, en parlant de ça, puisque nous citons une opération, nous avons appris vendredi passé, c'était une grosse opération qui était menée dans la cité, en bas, dans la bicyclette, dans la cité de Dieu, et bien, c'était ça. Eh bien, directeur général de la police nationale, il a un compte rendu de l'opération, mais pas, il était évité par trop de détails. Ça m'a dit que nous avons continué l'opération dénichée. Bandi au côté EA ou bien Negami au côté EA, et c'est pas seulement côté l'été, faire l'ambition, mais il peut aller dans l'autre côté, tout, dans l'autre zone que, qui s'en sert en bas contre le monsieur, pour être dans quelle mesure capable de retenir la paix dans le pays. Il y a un pile qui sont tout qui posent tout sous bien fondé opération ça, qui résultat de gain, bon, pas de monde qui tellement gain résultat, en attendant peut-être, et dans le jour, dans ce cas, venu là, responsable qui a peut-être beaucoup plus d'explications, mais disons, opération qui a continué et qui voulait occuper zone. Donc, la police voulait que lui-même l'occupe zone de préférence. Moi, il que mettait tout le monde, tout le monde dehors. Donc, il n'y a pas dit que si il y a une arrestation, c'est quelqu'un qui mourit. Nouvelle, ça n'est pas censé fuiter. Ça va empêcher tout, que toujours, et de temps en temps, on a un monde qui kidnappe en côté non-zone, et qui est kidnappé, donc il y a censé, et directeur général, il peut être censé la promettre, Léon Charles, il promet pour la paix établie, pour que la vie a licencié reprendre, et dans le pays.